Voici l'histoire d'un pauvre homme que mon père m'avait conté. Qui est pas dans le dictionnaire ou encore moins dans un musée. Qui est dans le cœur de ceux qui l'ont connu et surnommé T.J. La Chance. T.J. La Chance. Il était une fois près du village de Plantagenet. Un homme qui pleurait agenouillé devant son chapelet. Il venait de perdre sa douce moitié, celle qu'il avait tant aimée. La vie est injuste, la vie est injuste. T.J. à 50 ans était veuf et sans enfant. Il délaissa ce qu'il possédait et puis s'enfuit dans la forêt. Même que la nuit dans la noirceur, on pouvait entendre ses pleurs et ceux des loups. Et ce des loups, T.J. Je sais qu'elle était belle, mais tu ne peux pas laisser ta vie s'envoler avec elle. Oh T.J. T.J. Devenu itinérant, T.J. habitait maintenant une vieille cabane abandonnée, une ancienne remise à fermier. La lune pleine qu'il voyait luire lui rappelait le doux sourire de sa Madeleine. De sa Madeleine. Après plusieurs automnes et des centaines de milliers de feuilles, après ses souffrances énormes, il réussit à faire son deuil. On parlait de lui au village. Qui était donc ce personnage? Quel commérage! Quel commérage! Au village, on racontait qu'il n'avait pas de lit, qu'il s'était même déjà battu avec un grizzly. Pour avoir des bras de fer, il faisait bouillir des clous. Il mettait l'eau dans un grand verre, puis il buvait ça d'un seul coup. On a souvent répété qu'il parlait aux animaux, qu'il chauffait sa maison avec un taureau, qu'il avait caché sa richesse dans le fond d'un puits, qu'il s'était montré les fesses. À la messe de minuit, au T.J. Mon père me racontait qu'il venait les voir au restaurant. On voyait le bonheur dans ses yeux ridés par le temps. À chaque fois qu'il leur parlait d'elle, on pouvait voir des étincelles. La vie était belle, la vie était belle. Par un beau jour ensoleillé à la veille de ses 60 ans, un homme vint le voir et le chassa du troisième rang. Si Joe a refusé, ils l'ont pris de force et l'ont placé dans un foyer. Dans un foyer, pendant un mois, il a pleuré en suppliant qu'on laisse sortir, en leur disant déshérité qu'il ne pouvait plus souffrir. C'est cette nuit-là qu'il a décidé d'aller rejoindre sa bien-aimée, sa bien-aimée, sa bien-aimée. À tous ces braves héros de la vie qui ne demandent qu'à être heureux, je voudrais leur rendre hommage en leur disant que c'est grâce à eux. Si on se souvient grâce aux histoires de leur courage et de leur déboire, on vous salue, on vous salue, on vous salue.